Alors John et moi, on est des retraités de la Tour du Valin. On se voit peut-être pas tous les jours, mais assez souvent. On fait du vélo ensemble, on fait de l'ornithologie ensemble. Et puis, on a travaillé ensemble pendant de longues années à la Tour du Valin. Mitterville, cigogne blanche. Un coco qui chante derrière. Il est debout. Là. Elle est debout sur le nid. Mais je pense que celle-là, elle aura bientôt des petits, n'est-ce pas? Oui, oui. Sur l'ensemble de la Tour du Valin, je crois qu'il y a 13 nids qui sont occupés cette année. 13? Oui, il y en a 6 ou 7 dans ce secteur-là. Alors, comme beaucoup de gens, je pense que je suis tombé amoureux de la Camargue il y a très longtemps. Et c'est un endroit où il y a une très très grande diversité d'espèces d'oiseaux et même de plantes. Et pour moi, c'est tout à fait un paradis, oui. Regarde le tamari, où il est, le mâle, et il y a la femelle en bas. Magnifique. Alors moi, je suis né en Angleterre, près de Nottingham, et j'ai vécu en Angleterre jusqu'à l'âge de 21 ans. J'étais toujours intéressé par la nature. Surtout par les oiseaux, j'avais une envie de travailler avec les oiseaux et cette possibilité m'a été donnée par Luc Hoffman. Et puis je me suis installé en Camargue en 1962. Et pour moi, c'était un rêve. Le rêve, c'est la Tour du Valin, un immense domaine de 2600 hectares, propriété du Suisse Luc Hoffman. Luc Hoffman est un précurseur, écologiste avant l'heure, passionné d'ornithologie qui, sa vie durant, va engager sa fortune et son énergie pour une cause, la protection des zones humides. Son combat débute ici, en Camargue, en 1947. Il a 24 ans, il achète le domaine de la Tour du Valin. Petit à petit, il agrandit la propriété. Il en fait une réserve naturelle, puis une station de recherche destinée aux biologistes et chercheurs du monde entier. Il n'y avait pratiquement pas d'écologistes à ce moment-là. Et au début, quand nous avons commencé la station, c'était très difficile de recruter des personnes qui connaissaient la nature en France. Alors Luc Hoffman, pour moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Tant pour l'homme que pour l'œuvre qu'il a faite au cours de sa vie. C'est quand même tout à fait incroyable. Vraiment facile. Ok, vraiment pas facile. Et regarde. 824. Le fait que ce marais existe encore comme ça, qui est vraiment exceptionnel, c'est vraiment grâce à Luc Hoffman. S'il ne l'avait pas acheté, on peut imaginer qu'il serait devenu, ça aurait été transformé en rivière, comme c'est le cas de. Une grande partie des terres qui ont été transformées au cours des 50 dernières années en Camargue, quoi. Donc vraiment, on est dans un ancien bras du Rhône qui a toute une histoire et qui est maintenant d'une richesse incroyable. Et le fait de d'avoir acheté ça et d'avoir transmis ça à une fondation pour protéger toute la Tour du Valin, c'est quelque chose d'unique et de très important, quoi. Quand j'étais jeune ornithologue, la Tour du Valin, c'était la Mecque pour tous les ornithologues de France parce que j'étais dans une station où on baguait des oiseaux, dans le centre de la France. Et quand on voyait le rapport annuel de ce que faisait la Tour du Valin, c'était inimaginable. Après, je suis descendu dans le Midi et j'étais toujours ornithologue. Et quand on parlait de la Tour du Valin, je voulais y aller.
Ensuite, j'ai réussi à y aller. Ensuite, j'ai réussi à rentrer à y travailler et je travaillais sur les hérons. Et au bout de 7 ans de hérons, on m'a demandé si je voulais pas m'occuper du domaine. Et depuis presque 20 ans maintenant, je m'occupe du domaine. Partout où je vais, sur la tour du Vala, je vois, il y a un aigle qui passe, un faucon, une cigogne, un serpent, il y a plein de choses. Je suis toujours en train de regarder pour voir s'il n'y a pas un petit quelque chose qui passe. On est sur un ancien bras du Rhône. Alors à gauche, où il y a encore de l'eau, on récupère de l'eau, le surplus d'eau d'irrigation pour les rizières. Mais on ferme pour pas mettre de l'eau partout. Oh, il y a une nichée de petits canards là-bas. Il y a la mère qui est couchée sur l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le petit dernier là qui est tout seul, là, le vilain canard. Ouais, le dernier il ira pas loin. Hein. C'est une zone qui n'est plus pâturée à partir de... Ça faisait presque un mois qu'on enlevait les taureaux. Et c'est quasiment un des derniers endroits en France où il y a une espèce de libellule, là, la petite libellule bleue, qui s'appelle le Lestagran stigma, où il y a eu une... Et voilà qui vole là. Tout ce qui vole là, bleu foncé là. Donc il n'y a plus beaucoup de marais comme ça en Camargue, vu que les marais sont surpâturés. Donc cette libellule a disparu quasiment de France. Et vraiment, le bastion, c'est la tour du Vala. Dans les années 60, il y a des choses qui n'allaient pas. Les Flamands ont interrompu la nidification pendant 5 ans. Et c'était donc une tâche que Luc Hoffmann m'avait fixée. C'était d'essayer de savoir pourquoi les Flamands ne nichaient plus. Et si on pouvait identifier les problèmes, de trouver des remèdes. Nous avons proposé de faire un îlot artificiel qui pouvait convenir aux Flamands. Et cela a été fait en 1970. Les Flamands n'ont pas tout de suite été attirés par cet îlot, jusqu'à ce qu'on avait l'idée de mettre des nids artificiels. Et ce que nous avons fait, tout à fait comme les gamins font des châteaux de sable sur la plage. Et je pense vraiment que la présence de ces nids sur l'îlot a attiré les Flamands sur ce site de reproduction. C'était en 1974 et les Flamands, ils y nichent chaque année depuis. Le pic d'occupation de ce site de reproduction, c'était à l'an 2000, lorsque 22 200 couples de Flamands ont niché. Ils y ont élevé 14 000 poussins. Thank you.
Le bagage des flamands a commencé en 1977. Et c'était donc impératif d'observer les oiseaux dans les colonies. Et pour cela, nous avons construit une tour d'observation pendant l'hiver qui a été placée à 70 mètres du site de reproduction des flamands. Alors, comment aller dans cette tour à 70 mètres des oiseaux couveurs sans les déranger? C'est en fait d'avoir une cache, parce que les oiseaux, les flamands, comme d'autres espèces, ont peur de l'homme, mais n'ont pas peur, par exemple, des gens qui sont enfermés dans une voiture. Ce n'est pas un danger, c'est l'homme qui est un danger. Allez les filles. Vous allez voir le taureau. Donc voilà, il est là, il est en face de nous là. Voilà. Pile, il a le museau, il a une cicatrice sur le museau là. Voilà, ça y est, il passe là. Et ça, ce petit mâle, il a un gros souci aux pattes arrière. Quand il est né, je suppose que sa mère lui a écrasé le bassin. Et il a toujours eu la démarche flageolante, ce qui ne l'a pas empêché de nous avoir quand on a sorti le troupeau. Il s'est planqué avec deux de ses copains et on n'a jamais pu le sortir d'ici. Viens ici, viens. Hop, hop. Allez, hop. Apparemment, elles sont toutes passées bien, il n'y en a pas une qui traîne la patte, il n'y a pas de souci. Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça. Hein. Mon seul souci, c'est les 4 veaux de l'année dernière qu'on n'a pas pu sortir, qui étaient cachés dans les buissons et qui sont toujours restés au milieu du troupeau. Parce que les petites génisses, elles sont un peu petites pour rester avec les talons. On viendra à cheval faire un tour pour les approcher d'un peu plus près. L'élevage Camargue est fait dans un but exclusif de course à la cocarde. La Tour du Valat, on fait pas d'élevage dans ce but. À l'origine, le troupeau avait été monté pour gérer la végétation du domaine. Comme une grande partie est en zone naturelle, si on ne voulait pas que ça soit envahi par les buissons, qu'il y ait une évolution des biotopes vers quelque chose qu'on ne désirait pas, on avait un moyen mécanique avec des gyrobroyeurs, mais on a préféré le moyen plus naturel et on a commencé à monter notre troupeau en 1994. On a commencé petit pour voir ce que pouvait supporter le terrain. Et au fur et à mesure, on est monté et on est arrivé actuellement, on est à 330. En fait, on se différencie un petit peu des autres camarguiers puisque on ne nourrit pas le troupeau. Le troupeau ne mange que ce qu'il trouve sur le terrain.
Et notre seuil, c'était la disponibilité en herbage pour l'hiver. Nous, à l'origine, le premier but, on a des grands marais qui servent de remise pour les canards en hiver. Et on voulait que ces marais soient, j'allais dire, raclés pour offrir des bonnes pistes d'atterrissage pour les canards en hiver. Et on a favorisé la pousse d'une plante, c'est le cirpe maritime, qui, d'avoir favorisé cette plante, ça a favorisé l'apparition des oies. Et on a une population d'oies qui est toujours en croissance et on est le principal site d'hivernage des oies en hiver. C'est pas tout à fait ce qu'on voulait à l'origine. À l'origine, on voulait une piste d'atterrissage. Et maintenant, on se retrouve avec un restaurant à oies. C'est pas tout à fait pareil, mais on s'en plaint pas. La gestion d'une zone naturelle n'est pas une science exacte. On tâtonne un peu et au bout d'un certain temps, on voit les erreurs qu'on a commises et on voit si on peut les rectifier ou pas. J'ai quatre sites autour du mas qui sont équipés de lumière blanche et lumière noire et tous les soirs je fais la tournée pour voir les papillons qui y viennent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a deux. Donc tous les soirs je viens, quand je peux. En gros ça fait en moyenne 260-280 soirs par année, vers 11h30, enfin à peu près, 11h-11h30, je viens et je compte tout, toutes les espèces. C'est intéressant, puis ça rajoute au niveau de la Tour du Vala un peu plus de connaissances sur les différentes espèces. On compte les oiseaux, on compte les grands mammifères, on compte un peu les reptiles, mais les papillons, les insectes, personne ne fait des suivis réguliers d'une espèce. Sur le coup maintenant, des fois c'est un peu astreignant, mais dans 10 ans, quand on verra les courbes de certaines espèces, les grands pans, il y a par exemple, où est-ce qu'il est le petit ? Le Pitesi du Tamaris. Le Pitesi du Tamaris, celle-là, là, cette minuscule espèce, l'année dernière, j'en ai pas eu. Donc voilà, mes soirs libres, ou mes soirs occupés, après l'occupation, ou avant, ben, je viens compter mes papillons. Je ne suis pas payé plus cher, hein, c'est juste par plaisir. A-N-F-L. A-N-F-L, dans quel sens? De bas vers le haut. C'est un flamand bagué dans les années 80, ça. Donc, ouais. C'est un flamand qui a quand même une vingtaine d'années. Oui, oui. Alors, sur les 6 bagues qu'on a lues hier soir, il y avait BVHL. Je vois que c'est un oiseau qui a été bagué en 1993. Et je vois aussi que c'est un grand voyageur, car il s'est rendu en 2000 en Sardaigne. Ensuite, en Libye, il est retourné en Sardaigne et en Tunisie, avant de se rendre en Turquie. Il y a même un flamand, ou même deux flamands, qui se sont rendus en Suisse. Des flamands bagués, donc c'est la preuve de leur origine sauvage.
cette année, les flamants commencent à nicher en la mi-avril à peu près. Donc il faut compter un mois pour la période d'incubation. Début mi-mai, il y aura des poussins. Et ces poussins, à l'âge de un mois à peu près, vont aller dans une crèche. Et ils vont rester dans cette crèche jusqu'à l'âge de voler, à deux mois et demi. Et chaque année, depuis 1977, on capture et on bague une partie de ces poussins. Ces oiseaux sont capturés pour le bagage à l'âge de deux mois et demi à peu près, c'est-à-dire quelques jours avant l'envol des poussins les plus grands. C'est une opération qui a lieu tôt le matin. Et ça peut être assez étonnant, mais pour baguer 800 poussins, il faut à peu près 2 heures, 2 heures et demie. C'est-à-dire pour les capturer, pour leur poser deux bagues. Donc là, c'est JFFD. Hein. Pour les mesurer, pour les peser, les poussins, et puis pour faire des prises de sang, pour voir pour le sexage des poussins. Les poussins très petits comme ça, qui n'ont pas encore plus près des bruits, qui ont moins de parasites, qui sont encore les champs. C'est bon. On va changer les baguettes. 2800. C'est assez drôle. Oui. C'est bon. C'est bon. Oui. Alors, JGAZ vers le bas. Une taille 3 et un repas 3, ok. Je pense, oui, qu'on les a sauvés parce que la disparition permanente d'une colonie en Camargue aurait certainement eu comme suite un déclin très fort, sinon une disparition des populations de flamands de la Méditerranée. On vous a vu observer les flamands, noter les numéros des bagues. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes à la retraite, vous n'avez plus besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin, mais un scientifique, je pense, ne s'arrête pas tout à fait, jamais. Et ça m'intéresse toujours, l'étude flamande de la Tour du Valais et dans toute la région méditerranéenne. Et j'aime bien contribuer toujours autant que je peux à cette étude. Bon. Santé. Tchin tchin. Délicieux. C'est grâce à Luc Hoffmann que j'ai pu passer une grande partie de ma vie à étudier les flamants roses. C'est quelqu'un pour qui ça a toujours été un plaisir de travailler pour la conservation des oiseaux et des zones humides. Quand moi je commençais à m'occuper de ces choses-là, on entendait par la protection de la nature l'établissement de réserves naturelles, de parcs. Aujourd'hui, on voit qu'il faut s'occuper de la nature tous les jours et partout. Et si on ne le fait pas, on va vers une dégradation des conditions de vie de l'homme.